Bonjour tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc pour la suite, la partie 2 de Siberia, le tout dernier sorti. Siberia, The World Before. On a vu dans le premier épisode qu'on allait alterner entre deux personnages, Kate Walker, donc l'héroïne des trois premiers opus, et de Dana Rose, une prestigieuse pianiste de Wagen. Donc là, on va se retrouver dans la mine où on était resté. Je tourne évidemment l'épisode à la suite. Donc c'est reparti, on y va. Je n'aurais pas encore vu le retour de vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, je vous réponds toujours. Sinon, vous pouvez me rejoindre en live sur la chaîne Twitch où je fais des jeux que je ne vous propose pas sur YouTube et vice-versa. Pour ceux qui sont sur Twitch, les jeux que je fais, vous pouvez certains les retrouver sur YouTube et non pas sur Twitch. Enfin, vous m'avez compris. On ne tarde pas, on retourne au jeu. Alors, nous devions lui rapprocher l'espèce de chariot, seulement je ne le vois pas. Ici. On a quelque chose à regarder là-bas. Je vais aller regarder d'abord parce que je suis curieuse. Tout cabossé. C'est notre destin à tous ici. Allez, les énigmes. Va falloir le débloquer. Les freins sont serrés. Quelle surprise. Pas déverrouiller les freins. Coincé. Évidemment, si je ne fais pas le mouvement, on va pas y arriver, hein. Allez, pousse, Kate. Et dans sa tête, elle se remémore ce qu'Olivia lui a écrit, le décès de sa mère. Elle se sent très, très fautive. En même temps, là où elle est, elle aurait eu du mal à aller aux funérailles, hein. Tu lui as brisé le cœur.
Tu l'as abandonné. Elle est morte en se réclamant. Notre porte de sortie était là. Allons voir ça. Oh bon sang! Alors, rejoindre Katusha. Donc, faut double-cliquer. Quitte à maraver la souris. On va regarder ça. D'où viennent-ils? Ça doit avoir un rapport avec le train. On ne voit même pas le fond. Oui. Et ça veut dire que l'autre bout du tunnel est fermé. On voit la lumière là-bas. Le chemin de la liberté. Et comment on traverse ça? Il y a forcément un moyen. Suis-moi, j'ai une idée. J'ai pas fouillé le train, hein. J'ai oublié là. Vous pouvez maintenir le clic gauche tout en déplaçant votre souris afin de prendre le contrôle direct de votre personnage. Il se dirigera alors automatiquement vers la position que vous pointez avec votre curseur. Maintenez clic gauche pour que votre personnage suive automatiquement le curseur. Okay. Alors. Quelque chose me dit qu'on va sauter dans l'eau. Je me trompe peut-être. Ça doit être la sortie, au bout du tunnel là-bas. Faut qu'on construise un pont ou un truc comme ça. On va inspecter le train. Est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien qui peut nous servir. On va essayer peut-être avec le truc de la guitare, mais... Il a encore l'air plutôt solide. Et qu'on pourrait crocheter ça? On n'a rien sur nous? Impossible. J'ai dû me tromper. C'est pas bon. On essaye tout. Bon, on peut pas ouvrir cette partie-là pour trouver une clé. J'aimerais bien que tu cours un petit peu. Ça m'aiderait. Encore des cadavres. On dirait qu'on les a abattus pendant qu'ils mangeaient. J'avais pas une vue. Kate, viens ici, j'ai besoin d'un coup de main. On t'attend. Kate, viens ici, j'ai besoin d'un coup de main. Non, elle veut pas attendre.
Allez. Non, on va pas là-bas, c'est pas là-bas que je voulais que tu ailles. Reviens là. Si on prend assez de vitesse, on doit pouvoir utiliser la différence de hauteur comme une rampe pour atteindre le tunnel de l'autre côté et de là regagner la surface. Oui, si on arrive à démarrer cet engin. T'en fais pas pour ça. Pendant les tournées avec mon groupe, c'est toujours moi qui réparais le vieux van. Ok, mais attends une seconde. Avant, je veux inspecter de plus près ces cadavres et essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Alors... Le réservoir est plein. On dirait qu'ils se dirigeaient vers le tunnel de sortie. Comme s'ils s'apprêtaient à partir. Ils avaient l'air pressés de filer et en juger par leur position. Tué par balle. Dans le dos. Comme ceux juste là-bas. On dirait des uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Ils appartenaient à l'ombre brune, les fascistes qui ont déclenché la guerre avant de déporter et de massacrer des millions d'innocents. Comment des soldats de la Seconde Guerre mondiale ont pu se retrouver là? Oui, et qui les a tués au moment où ils allaient s'échapper pour de bon? Une chose est sûre, il faut essayer de démarrer cette moto. Attends, t'es sérieuse? Tu veux vraiment sauter par-dessus le ravin? Exactement. Mais les clés ne sont pas sur les corps, j'ai checké. Je pense qu'elles sont quelque part dans le train. Essaie de les trouver pendant que je jette un œil au moteur. D'accord, tu vas t'en sortir? T'en fais pas, ma belle. Ce petit bijou et moi, on va vite devenir amis. Alors, trouver les clés, et enquêter sur le train et trouver les clés de la moto. Là, on n'a pas la combinaison pour... Ce wagon est plus luxueux que les autres. Peut-être celui d'un dignitaire. Ce wagon est plus luxueux que les autres. Peut-être celui d'un dignitaire. On dirait qu'il a été pris dans un éboulement il y a longtemps. Incroyable que personne ne l'ait trouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, on l'a vu. On va aller voir là-bas, l'entrée. Et on va aller fouiller dans le train. Décidément, Kate, les trains, c'est une grande histoire d'amour. Si vous êtes bloqué, vous pouvez obtenir un indice grâce au bouton point d'interrogation. Attendez que la jauge soit pleine et cliquez sur le bouton. Ok. Alors. Apparemment, il n'y a rien. Encore un cadavre. Super. Lettre du suicide de l'officier. Eh bien, mes problèmes de diction me font lire aujourd'hui. Mercredi 5 avril 44. Je ne serai plus qu'un tas d'os quand vous lirez cette lettre, qui que vous soyez. Chaque jour, j'ai appris à avoir foi en notre patrie et à accomplir mon devoir au nom de notre illustre guide. Rien n'aurait pu davantage me convenir. Conformément à mes ordres, nous sommes parvenus à accomplir notre mission et à cacher le train dans le refuge convenu, loin des mains ennemies. Toutefois, en raison d'un éboulement, nous sommes coupés du tunnel de la sortie. Nous sommes donc condamnés à rester ici à jamais avec le train pour que le haut commandement puisse un jour récupérer les secrets qu'il contient. C'est sans doute pour le mieux car l'armée rouge approche depuis le front de l'Est et nous aurions sans doute été capturés de toute manière, au moins ainsi notre secret sera bien gardé. Les soldats sont terriblement découragés et pour les sauver de la trahison et du déshonneur, dans leur moment d'égarement, j'ai été contraint de les abattre.
J'avais des raisons de croire que dans leur désespoir, ils prévoyaient de s'enfuir avec la moto et de courir vers l'ennemi pour révéler l'emplacement du train en échange de leur liberté. J'ai caché la clé de contact pour la forme. Il ne me reste plus qu'à accomplir, pardon, il ne me reste plus qu'à accomplir mon devoir au nom de notre guide et de notre patrie, afin que ce trésor reste caché jusqu'à ce que le haut commandement soit en mesure de récupérer. Bien à vous, Major Kristen Sutter. Ok. Alors cet officier de l'ombre brune a abattu ses propres hommes avant de se suicider pour s'assurer que le train ne soit jamais découvert par les alliés. Quoi qu'il contienne, ça doit être très précieux. Cette forme creuse est étrange. Il devait y avoir quelque chose ici. Alors on a eu quelque chose au niveau du journal. Hein. Les documents, la lettre d'Olivia, le billet d'avion. On va regarder. Billet d'avion. Ouais. Ben, elle n'a pas pu le prendre, la pauvre. Hein. La lettre d'Olivia, on l'a vu. La lettre du officier aussi. Alors. On était là. En échange du peu d'argent que j'ai pu leur donner, les gardes ont promis de transmettre le colis à Miss Walker. En attendant de pouvoir trouver un moyen de la tirer de ce guépier, je n'ai pas d'autre choix que de les croire. 27 ou 21, je ne sais pas, décembre 2015, juste un petit mot pour vous apprendre que j'ai pu revenir à la mine aujourd'hui afin de tenter de racheter la liberté de Miss Walker avec l'argent que vous aviez pu rassembler avec votre mari. Malheureusement, ils ont encore refusé. Il semble que la ministre préfère punir Miss Walker pour s'être opposée à eux en prenant la défense des nomades du col plutôt que recevoir de l'argent. Pire encore, un autre pot de vin m'a permis de confirmer ce que vous et moi craignons le plus. Mais Miss Walker s'est apparemment effondrée depuis qu'elle a appris la nouvelle de la mort de sa mère l'année passée. Le fait d'avoir manqué l'enterrement l'a beaucoup affectée. Même sa compagne de cellule ne peut rien faire pour la tirer de sa dépression. Je crains qu'elle ne meure de chagrin si nous ne trouvons pas rapidement un moyen de la tirer de là. De ce terrible endroit. Ok. Donc on n'a rien de plus ici. Rien de plus là. On a un médiator, une boîte à musique et le cœur d'Oscar. Objectif, on l'a fait, se préparer, examiner. Donc on doit enquêter sur le train, trouver les clés de la moto. Ok. Bon là par contre, on n'a pas l'objet. Je suppose qu'il va falloir fouiner. Le dernier verre du Major Sutter pour se donner du courage. Je ne pense pas que ça me sera utile. Non, moi non plus, mais on teste. Cherchons ailleurs. On rentre vraiment dans les énigmes typiques de Sibéria. Et voilà sans doute le tireur. Il portait des galons. C'était sans doute l'officier de l'ombre brune responsable du train. Il s'est tiré une balle dans la tête. Horrible. Ah ben, pour le coup, il en a plus. Oh la vache. Ici, on n'a plus rien. On a perdu la tête. Hein. Dans le temps, ça marche aussi parce que j'ai pas l'impression. Une emblème de l'ombre brune. Rien d'intéressant ici. Je ne pense pas que ça me sera utile. Hmm.
La clé. La clé de la moto. C'est sûrement la clé de la moto. Je devrais la donner à Katusha. Alors, objectif. Enquêter sur le terrain, on n'a pas fini. Non, lui, on peut plus rien pour lui, hein, faut être honnête. Par contre, j'ai pas trouvé le la clé pour ouvrir le wagonnet. Je les ai. Ok, je te laisse faire alors. Je vais continuer de fouiller le train. Je trouverai peut-être quelque chose d'utile pour quand on sera sorti d'ici. Dak. Explorer le reste du train. Est-ce qu'il y aurait des choses à... La grotte a été renforcée par ces vieilles structures. Elle servait sans doute à abriter des trains, et pour un bout de temps. Donc, le train était censé rester caché dans cette caverne. Mais les choses ont mal tourné après l'éboulement, lorsque ces hommes ont été exécutés. La grotte a été renforcée par ces vieilles structures. Elle servait sans doute à abriter des trains, et pour un bout de temps. Alors, on n'a rien d'autre ici. Là, c'est des cadavres. Je vois pas comment ouvrir le... la porte. Que diable s'est-il passé ici? Comment ces cadavres se sont-ils retrouvés là? Sans parler du train. On sait maintenant qu'ils ont été assassinés par le chef du train. On va demander une astuce. Et si j'essayais la clé restante sur le cadenas de ce wagon là-bas? Ah, on a une clé encore. Je croyais y avoir donné tout. C'est le jeu qui vous ronge les neurones et le cerveau. Alors. J'étais persuadée d'avoir donné toutes les clés de la, quand je lui ai donné les clés de la moto. Alors, hop. C'est dur. Alors. Raté. D'accord. Pauvre Kate. Enfin, faut vraiment cliquer sur le non-stop sur le clic gauche pour pas qu'elle se casse la figure. Il y en a pour une fortune. J'y crois pas.
bien vous servir une fois dehors, ma belle. Alors, avant de partir, on va examiner quand même tout ça. Un chef-d'œuvre. L'ombre brune a dû le voler pendant la Seconde Guerre mondiale. Un butin. Et en plus, on est devenue voleuse. Pour une avocate, ça la fout mal. Oups. Oh mon Dieu. Examiner le portrait. Oui, c'est plutôt bien fait. J'aime bien la couleur de ce grand rocher-là. C'est ça qui te fascine autant? Non, Kate. Là, regarde. C'est juste sous-tourné. Ça date de 1937, apparemment. Mais j'arrive pas à lire la signature. Cola? Koba, quelque chose comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si fascinant? Tu vois vraiment pas? Mais regarde mieux. Désolée, mais tu vas devoir être plus claire, Katusha, parce que je ne vois pas. Regarde encore, là, la fille. C'est ton portrait craché. De loin, là, je dirais, hein, quand même. Hein. Mm. Tu trouves vraiment qu'elle me ressemble? Arrête! Il faut avouer que c'est incroyable, non? Quoi qu'il en soit, tu devrais manger ça. On ferait mieux d'y aller. Alors, est-ce qu'on a quitté le wagon? Eh bien, on quitte le wagon. Sortir. Allez, Kate! Avoue qu'elle te ressemble. C'est sûrement un signe. Bougez plus, vos deux! Aïe! Fallait bien qu'il y ait un problème. D'accord. Tu nous as eu. Mais enfin, regarde dans ce wagon. Le train est plein de trésors. On pourrait s'enfuir avec tout ça. Allez, allez, regarde. Bougez pas. Écoute-moi, Simona. Tu nous as toujours bien traités. Alors pourquoi ne pas s'entraider? On sera plus fortes ensemble. Oui, vous avez été de bonnes petites prisonnières. J'ai rien contre vous personnellement. Mais pourquoi je ne pourrais pas garder le trésor pour moi? Je pourrais quitter cette sale prison. Personne ne le saurait. Je pourrais dire que vous voulez vous évader. Ce serait même pas un mensonge, pas vrai? Voilà. Non. Ça n'a rien de personnel. J'ai juste besoin de changer de vie. Je crois que tu peux comprendre de quoi je parle. Et voilà, donc ça donne vraiment envie. On a terminé la démo. Moi, perso, étant fan des Siberia, je vous mettrai des let's play à la fin. Les différents let's play des Sibériens, je suis vraiment impatiente de le faire. En septembre, je vais changer quelques let's play. Je vous tiendrai au courant, je vais y réfléchir un petit peu. Et puis écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. La démo est assez courte, mais vraiment, ça donne envie. Pour les fans de Sibériens, je ne pense pas qu'ils me contrediront. Pour les autres, si vous découvrez, bah, écoutez, vous verrez que c'est des histoires, ça vous prend aux tripes et vous avez vraiment envie d'avancer.
Et ne croyez pas que les énigmes ou les mystères à résoudre sont simples. Vous allez des fois vous prendre la tête et même être obligé, ce que je n'aime pas moi-même, mais être obligé d'aller voir la solution tellement c'est corsé. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Un petit commentaire, un abonnement, un pouce bleu. Vous activez la petite cloche pour les notifications, comme ça vous êtes averti dès que je poste une nouvelle vidéo sur YouTube. Ou alors, rejoignez-moi sur la chaîne Twitch. Toujours mes problèmes de diction, j'en suis désolée. Je fais au mieux, j'essaye de ne pas vous faire attendre trop longtemps que tout soit réglé. Donc je vous poste des vidéos. Je m'excuse encore, mais bon, voilà, hein, une opération, c'est une opération. Je vous fais en tout cas plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine découverte ou la suite des Let's Play. Bye bye!